Bon, j'ai besoin déjà de vous rappeler un petit peu le contexte, la situation. Voilà comment j'ai commencé mon dimanche. Plus fort! C'est ma fierté, son cœur me fait vibrer. Pour lui, je chanterai fort. Dijon Football Côte d'Or, jamais je te lâcherai. Où tu iras, j'irai. Je porterai tes couleurs qui font battre mon cœur. Allez, allez, allez! C'est pour toi que nous sommes là, car tu es notre fierté. Tous ensemble, on va chanter, et ça pour l'éternité. Dijonais, Dijonais, oh, Dijonais, allez, allez. Tous ensemble, on va chanter, et ça pour l'éternité. Dijonais, Dijonais, oh, Dijonais, allez, allez. Putain, les gars, qu'est-ce que c'était bon! Putain, je me suis fait plaisir, je me suis régalé. J'avais déjà passé un bon dimanche. Après le cortège, j'étais bien. Oh, ça nous a tous mis en route, ça nous a tous mis dans l'ambiance. J'ai vraiment senti ce match une... J'ai envie de te dire une ferveur, peut-être. Comme si tout un peuple, on peut dire, était derrière. Qu'est-ce que c'était bon! Oh, tu sais que je m'en remets toujours pas, moi. J'ai toujours un peu la voix cassée, j'ai pas beaucoup dormi 4 heures, c'est... Quelle soirée, mais tout était réuni, on avait tous les ingrédients pour que ça se passe à merveille. Et oui, déjà ce cortège, magnifiquement organisé par les Lincoln, une bonne ambiance, vraiment, ça s'est vraiment bien déroulé, on est allé accueillir le bus des joueurs. Voilà, je pense que les joueurs ont senti vraiment qu'il y avait, du monde derrière, que vraiment ça, le stage Avitel, on va dire en mission commando, plus tout ce groupe, tous ces gens, tout ce peuple derrière à les pousser. Voilà, on savait que de toute façon, à un moment donné, ça allait payer. À l'entrée des joueurs pour l'échauffement, d'habitude, ils s'échauffent devant le cop des visiteurs. Là, au pied des Lincoln, pour encore s'imprégner de toute cette force pour les aider dans leur quête de la victoire. Début du match, voilà, d'habitude, on a René qui vient devant le Cup Sud en deuxième mi-temps, là il vient dès le départ. Tu te dis des fois, ça fait trop de choses qui changent, à un moment donné, ça veut nous porter la chkoumoune. Mais au final, on s'est régalé. La première mi-temps était un petit round d'observation, tu vois. Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. 23e minute, Lottiès qui reprend sur un coup franc excentré en demi-reprise de volée. Asembe va sauver Nancy sur cette action. Dans la foulée, René fera une parade face à Maoussa. Ce dernier, Maoussa, aura un face-à-face 10 minutes plus tard face à René. René qui, comme à son habitude, voilà, nous sauvera encore une fois. Cette première mi-temps, voilà, était... On avait un petit sentiment d'inachevé. On se disait, le premier qui va marquer va remporter ce match. Et oui. Et qui c'est qui a marqué les premiers? C'est Samaritano. Samaritano, depuis le temps qu'il tente, qu'il essaye de provoquer, de marquer, il a été récompensé. Voilà, il déboule côté droit, si je dis pas de bêtises. Plusieurs petits crochets. Il frappe. Voilà, là, le ballon va dans la soupiraille. D'Asembe, il ne peut rien faire. 1-0 à la 51e. Oh putain, la délivrance. Tu as senti tout ce stade exploser. C'était vraiment merveilleux. Diony, quelques minutes plus tard, il se présente à droite. Il frappe à terre. Asembe détourne. On se dit, putain, le but du chaos est pas loin. Le but du chaos est pas loin. Désolé, c'est la voix. Quelques instants plus tard, René surgira dans les pieds d'un ancien. Le ballon reviendra sur, je sais plus comment ça s'appelle, Diane, je crois. Ça tapera la transversale, on se dira. Les dieux du foot sont avec nous aujourd'hui. Mais, voilà, il semblerait que Diony, c'était son dernier match au stade Gaston Gérard hier. Eh bien, Diony, il fallait qu'il marque, comme il a dit, dans son jardin.
Et Johnny, à la 76e minute, il se présente. Côté gauche, il frappe premier poteau, surprend Asembe. 2-0, Nancy ne reviendra jamais dans ce match. Quel match, quelle victoire qui nous fait du bien. Et le pire, c'est que là, pour une fois où on avait des résultats défavorables, aujourd'hui tout est bon. On gagne. Bastia gagne face à Lorient. Caen perd. Au soir de l'avant-dernière journée, on se retrouve 16e. Enfin, notre différence de but commence à faire Voilà, la différence de but commence vraiment à... Putain, je sais plus quoi dire. On s'en bat les couilles. La différence de but, c'est notre force. Voilà, c'est plus simple. Je ne sais plus ce qu'il faut dire. J'en perds mes mots. Mais voilà, on va avoir ce dernier déplacement à Toulouse. À Toulouse, la ville rose. Eh oui, il va falloir qu'on finisse le boulot, comme tout le monde dit. Il va falloir au moins qu'on aille prendre ce petit match nul qui peut-être nous sauvera. On sera même pas barragiste. Voilà, on a les cartes en main. Au départ, avant ce match, on n'était pas maître de notre destin. Aujourd'hui, nous sommes maîtres de notre destin. Je crois en notre maintien, comme tous les Dijonais croient au maintien. Même s'il y en a plein, à un moment donné, qui nous ont enterrés, qui nous ont critiqués. Même si des fois, j'ai peut-être pu critiquer. Je ne pense pas enterrer, vous me direz le contraire peut-être. Mais voilà, au final, on est à... un petit point, j'ai envie de te dire, de faire notre deuxième saison consécutive en Ligue 1 pour la première fois de notre histoire. Cette saison peut encore être historique. On est un jeune club. Voilà, quand j'entends un petit peu critiquer toujours à droite à gauche, voilà, les supporters dans les tribunes, voilà. Oh, ils fêtent que leurs 5 ans, nous c'est nos 15 ans. Les gars, on a été créés en 98. Laissez-nous un petit peu de temps, laissez-nous les choses se faire et vous verrez peut-être que dans quelques années, vous pourrez soit continuer à nous critiquer, soit, au contraire, voilà, vous assisterez peut-être aux 20 ans des Lincoln. Je ne sais pas, on verra. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais suivre attentivement ce déplacement à Toulouse. Vraiment, je pense qu'on va tous être derrière ce match. Et je peux te dire que si jamais on se sauve, si jamais on reste en Ligue 1 et qu'on n'est même pas barragiste, je peux te dire qu'il y en a plus d'un qui vont se mettre à la misère et moi le premier. Les gars, je vous donne rendez-vous au dernier débrief de la saison, j'espère. Le dernier, qu'il n'y en aura pas d'autres sur les barrages. Vraiment, qu'on se sauvera sur cela. Et je pense que je ne ferai pas de dernier débrief pour ce dernier match. Je vous tiendrai au courant sur ma page. Voilà, suivez un petit peu les infos. Mais ça se trouve, je pense qu'à la fin, les gars, pour qu'on parle de tout ça, de toute cette saison... Je pense que je ferai quelque chose en direct, les gars, sur Facebook. Donc, on reste connectés. Merci à ceux qui sont venus me saluer lors du cortège des Lincoln. Ça fait plaisir. J'en voyais certains qui disaient « Ah, il y a Dijon. » Alors, les gars, venez me voir. Je mange pas. Moi, ça me fait toujours plaisir de croiser des supporters dijonnais. Donc, voilà. Merci à tous, les gars. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous d'ici peu. Et j'espère qu'on va le faire !